Il va être temps, les bandits, qu'on les monte, ces fenêtres. Voilà, là, nous sommes mardi. Cette nuit, j'ai eu un petit point météo sur mes notifications pour la Martinique. Il y a du mauvais temps qui arrive. J'ai perdu le nom. C'est une tempête tropicale. Il y a une tempête tropicale qui arrive, mais surtout sur la Guadeloupe. Et il y a un cyclone qui s'est formé, qui arrivera juste avant, mais qui va passer à côté de la Guadeloupe. Mais ça va souffler très très fort, ils annoncent du 50 nœuds. Et Martinique, on va être entre 35 et 40 nœuds. Donc pour pluie et orage, on est en vigilance orange, la Martinique. Donc bah forcément, je me tiens informé, comme on a un bateau là-bas, vous savez. Bon, c'est pas trop trop stressant, de toute façon à un moment donné tu prends de la distance par rapport à tout ça et tu te dis de toute façon on n'y est pas, on peut rien faire, donc t'as juste à croiser les doigts pour que tout se passe bien et puis que le mois de novembre il arrive sans trop de dégâts. Voilà, donc nuit un peu bizarre surtout à ce sujet là on est mardi, le gros coup de vent va arriver toute la journée, ça commence déjà ce matin, mais là-bas c'est la nuit en ce moment, donc ça va arriver ce matin quand il sera midi 14h, ça va commencer à souffler super fort là-bas et ça va durer je pense un petit deux jours. Voilà, donc bah de toute façon c'est la saison, hein. Voilà, c'est la saison des cyclones là-bas dans l'Arcantier, faut faire avec et t'as pas le choix en fait, hein. C'est la nature qui choisit, hein. C'est pas toi, vous avez vu comment ça fait dans le bas vers Cariacou, tout ça, la nature ne rigole pas. Alors là, ce matin, on va enlever les petits serre-joints qu'on a installés hier. Ces petits serre-joints, on les a trouvés Action. Franchement, pour faire du petit boulot, ça va pas mal. Bien entendu, il ne faut pas forcer comme un demeuré. Celui-là était monté fort, lui. Vous voyez, ceux-là, c'est des Gowan. Gowan, c'est la marque la moins chère que tu trouves bricomarché de mémoire. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Pareil, ils ont 10 ans, les trucs. Quand tu achètes un truc de moindre qualité aussi, tu fais attention de ne pas trop forcer. Ça, c'est des pinces aussi qu'on a acheté à Action. De toute façon, on va en avoir besoin. Ça coûte 90 centimes. Et on va en avoir besoin pour monter toutes les autres fenêtres. Et comme ça sera des grandes fenêtres, des pinces, il va en falloir pas mal. Donc, on en a pris 6 de mémoire. Voilà. Donc là, on s'est refait notre stock. Ça, c'est des vieux que j'avais. Ils ont moins 15 ans aussi. Ils ont tout fait, ceux-là. Pareil, c'est des trucs à pas cher. Bah, tu fais attention, tu forces pas trop, quoi, c'est tout. Et là, normalement, c'est bien collé. Ceux-là, je les adore par contre, hein. Je les ai achetés assez cher à Espace Emerald. Ceux-là, ils sont vraiment bien, très solides. Ouais, très très solides. Voilà. Et là, t'imagines, les bouts de bois, ils tombent. Ça rigidifie vraiment bien l'ensemble. Là, ensuite, quand la fenêtre va être posée, là, je vais faire venir un gros tasseau un peu plus épais. Et lui, il va servir à me rigidifier. Là, j'ai pas besoin. Vous voyez, parce que j'ai ça ici. Ça va faire le même principe. Voilà. Ça, je vais en mettre un peu partout. Pour rigidifier mon ensemble, tu vois là, ça me plaît pas. Mais ensuite, quand tu auras le cadre de la fenêtre et qu'il y aura ce renfort ici, normalement, ça bougera plus. Voilà, donc je pense qu'on va commencer gentiment par la petite et on va voir ce que ça donne. Je vais gratter un petit peu la colle PU, tout ça, faire un petit truc propre et on pourra poser la fenêtre. Voilà, je vous remets là les bandits sur votre trépied. Ok. Voilà, donc bah, allez, c'est parti, on fait ça, j'irai au boulot. Et ce midi, il ramène le billy s'il reste des trucs. Et ce midi, on mange des galettes, ça va être trop bon. J'ai mis ma colle. Le côté fixe de la fenêtre, vous voyez, là, il souffle comme ça. Le côté fixe de la fenêtre, il va devant. Parce que quand tu roules et qu'il pleut et qu'il y a du vent, si tu le mets dans l'autre sens, le vent, il rentre par là, par le joint. C'est désagréable au bruit et aussi pour l'eau, s'il pleut. Donc, c'est côté fixe, devant. C'est pas pratique des fois, parce que j'aurais bien aimé que le côté ouvrant soit de l'autre côté. Mais c'est comme ça. Mais là, déjà, rien que là, si tu veux, tu vois, déjà, elle tient. Mais je vais mettre mon petit cadre avec les petites vis. J'ai pas trouvé ça hyper pratique, je trouve ça bizarre. J'aurais cru qu'il aurait fallu le mettre à l'endroit, tu sais, à l'envers. Mais en fait, tu vois, j'aurais cru qu'il vienne comme ça, c'est plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, tu le mets dans un sens et après dans l'autre. Mais en fait, il vient comme ça, parce que les vis, elles sont fraisées ici, les trous. Et il y a un petit joint en caoutchouc pour venir fermer. Donc ça vient bien comme ça. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Très très bizarre. Regarde si elle est bien de dehors, Théo, la fenêtre. Elle est collée là. Appuie un peu dessus avec ta main. Parce que je vais devoir appuyer dessus. Voilà, juste comme ça. Ouais. Juste tu la maintiens. Ouais, ouais, juste comme ça. Parce que regarde, je vais appuyer un petit cadre dessus là. Ouais, je trouvais pas ça pratique. J'aurais préféré des petites agrafes. C'est vraiment très bizarre comme système fixation. C'est bah bizarre, hein. Non, c'est des petites rainures où tu viens visser ça dedans. Ah,
Ouais, ça écrase, ouais, ça marche. Bah écoutez. Ouais. J'en ai mis un peu partout pour que ce soit centré, puis après on va venir mettre le reste. Ouais, ça. Ouais, c'est bon là. J'aime quand même pas trop ce système. Je vais finir avec un tournevis. Et voilà. Théoriquement, c'est plus ou moins fini. C'est vraiment très bizarre. Est-ce qu'elle est de niveau, tout ça, extérieurement? Est-ce que ça paraît joli? Ça a l'air d'être assez symétrique et tout. Le cadre, il a pas l'air d'être... Il descend un peu là-bas, mais lui, on s'en fiche. On pourra le rebouger plus tard quand la colle, elle aura prise. Fermé. Ouvert. Bon, Thomas, c'est les vacances? Bonjour les bandits. Eh oui, deuxième jour. Tu t'en vas où? Je m'en vais remettre ce magnifique non, totem. En vacances. Je reste chez moi. Je m'en vais à Saint-Pierre-sur-Dive. Je m'en vais à Bretteville-sur-Dive. 11 routes de Crèvecœur. Tu pars pas en vacances? Non. C'est vraiment nul ça. Non, je me plais, j'adore être ici. C'est vrai? Franchement, mais ça ne me gêne en rien. Bah, c'est le principal, ouais. J'adore être ici et d'être un peu plus cool le matin, c'est génial. Voilà. Ok. Bah, hier, avant-hier, une petite course de vélo sympa. Parlons-en. On va débriefer peut-être tout à l'heure. Parlons-en. En fait, t'as appuyé sur un bouton sur la 360. Ah, j'ai fait des bêtises. Et t'as mis exposition manuelle. Uh-huh. Donc l'image, toutes les images, elles sont cramées par le soleil. Ah oh, la vache. Ça fait un écran blanc. On t'entend. Uh-huh. Même pas on aperçoit des trucs. Bon. Tellement c'est cramé. Donc c'est nul. Donc il y a juste les deux premières séquences. Il y a une séquence où tu vas voir les bus. Ouais. Là, ça, c'était bon. Et c'est après où t'as appuyé sur le mauvais bouton. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc j'ai mis cette petite séquence sur la vidéo d'avant, vous l'avez vu. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais je l'ai mise quand même, parce que c'était sympa, il a montré tous les bus, les vélos et tout. Et après, foutu, écran noir ou écran blanc. C'est dommage. Ouais. C'était donc la Polynormande, une course organisée, enfin, avec le concours de Daniel Mangias, la Voix du Tour de France. Ah oui, je ne connais pas. Donc c'était une belle course, 180 km, une chaleur de, ah ouais, de vrai, folie, ouais. 34-35 degrés. Et t'as fait combien en bécane là ce jour-là? Ah, j'ai fait 500 bornes. 500 km. 180 km dans les voitures parce que bah, moi j'étais avec une arbitre derrière. Mais une belle expérience encore, hein. Vraiment sympa. Et t'as sué dans ton casque? Même pas. Moi je peux pas dire, attends, j'ai eu chaud, j'ai eu soif plus que chaud. Ouais. Mais franchement, c'était pas nous les plus à plaindre. Il y en avait combien qui sont partis à l'arrivée tout ça, 97 au départ et moi j'avais dit ils seront pas 40, ils seront 40 à l'arrivée. Et je pense qu'ils n'étaient pas 40 à l'arrivée. J'imagine le nombre d'abandons. Et c'est le champion de France, le champion de France, le régional là-bas de l'étape, comment Lapeyra. Qui a remporté le truc. Paul Lapeyra, oui, qui a gagné. Il avait avancé ses intentions de gagner et il a gagné. Donc bravo à lui, c'est un gamin de 22 ans, je crois. Qui a la niaque. Ah bah plutôt, oui. Ouais. C'était super. Non, franchement, une très très belle journée. Une organisation, bah, ils ont l'habitude hein, là-bas. Hein. Ouais. Je crois que c'est la 30 ou 40e Polynormande qu'ils font. Eh ben, on n'a pas les images. Les images. Désolé. Ça sera l'année prochaine. Hein. Voilà. Voilà. Il reste une course pour nous. C'est le Tour de l'Orne masculin qui aura lieu dans un mois, à peu près. Enfin, bah, si on essaiera de faire mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Si Thomas il appuie pas sur tous les boutons, peut-être qu'on pourra vous faire voir ça. Hein, mais vous avez vu les bus et les vélos garés, c'était déjà bien. Et donc là, il y a du bus. Ah, c'était chouette. Hein, mais ils sont pas en VASP, ils sont. Si, ils doivent être en VASP non SP. Ils peuvent pas d'accord. Les mettre en bus ouais, avec des forbans et tout. Ils font 14 mètres ou enfin déjà ils ont deux. Non, ou ils sont en loge cinéma. Ah bon. VASP loge cinéma souvent. Cinéma ou un truc comme ça du genre. Mais je pense pas qu'ils restent en. Ils sont encore en transport en commun, si tu veux, mais ils sont pas transport en commun normal. Ils peuvent pas mettre... Il y a forcément des réserves d'eau. Ouais, il y a sûrement un petit coin pour faire à manger. Ah bah ils ont des douches, donc, ils ont tout ça. Ils sont en loge ou alors Ils ont des sièges comme ça en épi, souvent dedans. Ouais, parce qu'en fait... Ouais, c'est ça. Il y a forcément un VASP, lequel je sais pas, mais toi derrière tu rachètes ça. T'es obligé de leur passer en VASP parce qu'ils ont des VASP genre 20 places ouais. Ou 30 places. Ou alors sinon il faut le transport en commun. Ouais, mais théoriquement, c'est pas trop un camping-car, quoi. Si, ça marche, mais si, ça marcherait. Mais il faut contrôle technique tous les 6 mois ou un an, je crois. Ah ouais ? Bah oui. Tu vois, lui, il passait tous les 6 mois, transport en commun. D'accord. Et ouais, pour la sécurité. Nous, on a l'habitude des contrôles tous les 6 mois, mais
sur le camping-car. Ah ouais, c'est embêtant, un peu comme sur vos engins, ça fait pareil, c'est tous les 6 mois. Quoi. Tous les 6 mois, les engins de levage, tous les 6 mois. Ok, bon bah bonnes vacances. Merci. Si t'as besoin, t'appelles pour le totem. Ouais. On fait un chouette totem, là, regardez. Ça, et ça va être visible, et il y a celui-là aussi. Ouais. Lui va être éclairé. Avec quoi éclairé, oui, justement, je suis en train de regarder ça. Lui va être éclairé, ça va péter ça. Hein ? On fait voir ça ce soir de nuit ouais. Ou ce soir on essaiera de vous faire voir de nuit ou demain, ça sera monté aujourd'hui. Ah bah j'espère bien. Attends. Ouais. Et tes néons, tu les changes ? Oui, oui. T'en mets des OLED ? Bah, je sais pas si ça va marcher. Justement, bah pourquoi ça marcherait pas ? Bah, là je vais tester tout ça là-dessus. D'accord. Voilà, allez, okay. À tout à l'heure les bandits. Hey, au boulot les bandits. Dernière fenêtre posée. Alors voilà, la deuxième fenêtre est montée. Et c'est unanime. On est unanime avec Théo. On n'aime pas du tout le système de fixation de ce petit cadre. On trouve que c'est pas pratique. Et en fait, on se demande, mais comment tu fais quand tu veux remplacer sur un camping-car ? Parce que t'as ça. Après, ils te donnent un petit joint à mettre ici. Tu sais, on dirait un truc extérieur. On dirait qu'il n'est pas dans le bon sens. Mais si, c'est ça, on a regardé. Je comprends pas trop ce truc en fait. Ou alors on l'a mis dans le mauvais sens. Tout simplement. Mais non, parce qu'il y a ça, justement, pour venir mettre ton truc en caoutchouc qui te donne avec. C'est bizarre, mais je pense que quand la colle elle sera prise, je vais l'enlever tout simplement. Ouais, du produit pour les aftes, merci mon loulou. Non, mais tu peux voir ton bouton. Là. Ah ouais. C'est dégueu, hein. Ouais, j'ai une grosse afte dans la bouche. Ça fait mal de vivre sans toi. Avec toi. Tu peux plus quoi ? Il est plus dit là. Pourquoi ? Il fatigue ses enfants. Oh, encore les enfants fatigants ? Ouais, ouais, mais là ils vont faire des activités. Je comprends pas qu'ils aient déjà autant d'énergie là. Ouais, t'as vu, je te disais hier, on aurait la même énergie qu'eux, on ferait 40 kilos, on serait svelte. Ah, ils sont épuisants les petits ? Oh mais j'en peux plus, je vais supporter là. Ah non mais là c'est un truc. Maman, je veux signer. Oh maman, je veux ça. Oh maman, je peux. Oh maman, je peux voir ça. Oh maman, c'est tu peux. Enfants, oh je peux aller regarder là-bas. Oh là là. Non mais là c'est pire. C'est pire. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais là ils. C'est pas des enfants là, c'est des démons. Je t'ai dit c'est des volcans, ouais, c'est des démons. Là c'est. Alors ? Ah ouais, c'est alors trop beau, ça alors va bien. Alors ? Par alors contre, j'ai pensé à ça dans la nuit. Oui. J'ai t'as mis ça, 19 cm, machin, nanana et tout. Et les autres ? Ah, les autres seront sûrement pas pareils, mais c'est pas grave, c'est la partie route ici. Tu crois ? Bah oui, on est assis. Extérieurement, ça va faire bizarre. Non, 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 bah non, pas du tout. Il y a des fois beaucoup de camping-cars qui sont pas du tout de la même hauteur, et puis ça le fait, quoi. Okay. Donc voilà, ici, ça te plaît ? Bah, c'est pas. Elle est alignée. On a fait ça pas trop mal ? On dirait, il est penché. La découpe ? Non, arrête tes conneries. Attends, si. Ah non, tu prends pas de mètre, ne prends pas de mètre. On dirait qu'elle a légèrement penché, ouais. Elle est penchée par là ? Non, je veux pas qu'elle soit penchée. De l'autre sens. Non, dirait, tu prends pas de mètre. On dirait qu'elle est comme ça. Hein, ouais, mais c'est pas fiable aussi. Tu vas te prendre de où ? Ah si, là, au panneau, là. Bah, là, le panneau, là. Ouais. Là, je suis sûre, il y a de plus petits espaces, là. Allez, on va dire 15, 19,5 à peu près. Hein. Non, on dit pas. Ah, allez, on va prendre. Ah ouais, ok. 19,5 et 18. 1 cm d'écart. Non, mais tu conneries. On est à 20. Fais-moi voir. Arrête, il a dit, il décolle pas. On est à 18,4. Ah, ça me plaît pas, faut décoller tout ça. Il y a Théo. 5 mm, oui. Ça se voit à l'œil. Ça se voit à l'œil. À l'œil habillé. Et là, on peut pas le remonter ? Ouais, non, là. On peut pas remonter dedans. Vous avez rien vu, les bandits ?
Non, ça va, il y a 4 mm, 4 cm. Bonjour. Quoi? Est-ce que tu vois bien le paysage? Est-ce que tu as un petit volcan? Ouais. Mais ils se bagarraient pas autant avant? Bah, depuis qu'ils vont à l'école et au centre aéré, c'est des... Ils font que c'est de se chamailler. Non, mais c'est vrai, sérieusement, c'est des terreurs depuis qu'ils vont. C'est un truc de fou. C'est surtout 121 secondes, on est parfait. Carrément parfait. Je me lève le matin, je suis déjà épuisée, c'est dingue. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons des petits cuisiniers bretons. Est-ce que tu mets du jambon ou du saucisse? Du jambon. Bon appétit. Jambon. Merci, monsieur. On a ramené le bilic, comme il restait des crêpes à faire, et puis on s'est mis dans la petite salle de poste de Thomas pour les odeurs. Regardez les bandits. Comment mon étal crêpe, je sais pas comment on appelle ça, comment il est de toute beauté. Regardez ça. On croirait l'arme dans que Thanos il offre à Gamora. Une merveille d'équilibre. Vous avez vu? C'est trop beau. Hein, voilà, et puis bah, les petits sont en train de faire leurs crêpes eux-mêmes. Voilà. Surtout qu'Emed. Oui, mais elle t'aide parce que t'avais un peu écrasé toute ta crêpe. Regarde comment on l'a retrouvée. Et comment elle est belle. Tu te mets pas de gruyère. Ah non, t'as mis du fromage. Ok. C'est tout ce que tu veux dedans. Maintenant, tu peux le plier. Tu peux la plier. T'as un petit peu de fromage. Ça y est, t'en as déjà mis. Oui, c'est monsieur et madame fromage. Hein? Bah, c'est plus Julia. Ouais. J'essaie juste de prendre l'œuf. Julia. Laisse-le, il va la fermer. Tu veux la fermer? Oui, je décolle juste la ferme. Ouais, je veux que c'est toi qui la ferme. Non, Julia, Non, toi, tu peux la fermer. Toi, tu peux la fermer, sinon voilà. Ferme-la, s'il te plaît. Vas-y, là, ça va être facile. Moi? Bah, Lucas, vas-y. Je te jure. Comme ça. C'est bien. Qu'est-ce cool. Que vous êtes beaux, mes petits volcans. T'es bien installée? Ouais. Mmh. Ah, je peux pas bricoler toute seule, hein. Je voulais venir là au calme. C'est non, vrai? Faut que vous fassiez... Non, je rigole. Je savais pas, moi. J'étais là au calme, vous venez me faire suer ici. J'ai dit à papa, je me suis imaginé une scène, j'étais sur ça debout. Et si tu imagines, je tombais, je mets ma main dans sa crème comme ça. Il a dit, regarde, parce qu'après, t'auras ma main dans ta trompe. Elle m'avait caché ma crêpe, j'ai horreur de ça quand on joue avec la nourriture. Avec ta nourriture. Ah ouais, je suis mauvais. De toute façon, dès l'instant que ça touche à la bouffe, toi, t'es mauvais. Moi, donc forcément... Tu sais, genre le mec, il touche ta... Il met sa main dans ton assiette. Non, ou alors... Oh, non. Non, 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 qui... non, c'est bon, ça. Ah ouais, juste ça. Qui prend ta fourchette, sa fourchette, et puis qui dit, fais goûte. Ah non, ça, c'est non, il prend, hein, qui prend une frite dans ton assiette. Ah, ça me mord de moi, j'ai même plus envie de manger. Vas-y, c'est bon, ouais, prends-les, les frites. Ah, je deviens con. Et ça, c'est avec tout le monde, même tes enfants, même ta femme. Non. On touche pas à ma gamelle. Non, Lucie, ça va, tout va, ça va. Oh, ça, t'as du mal quand même. Hein. Si, quand tu ouvres un paquet de chips, il y a un gosse non, qui dit... Non, ça va. Ah non, les petits, ils sont là en mode... Ouais, en mode non, rapace, tu dis, allez, c'est bon. Tu dis, non. Prends le paquet, là. Ouais, tu dis, allez, prends le paquet de chips, là, tu me oui, souffles. Mais c'est pas servir dans ton assiette. Ouais, quand même. Ah non, les pires, c'est quand t'as... Enfin, bref, tu te régales? Ouais, c'est super bon, ces petites crêpes. Avec le camembert, c'est... C'est pas des crêpes, c'est des galettes. Des galettes. Des galettes. On peut dire que c'est des galettes bretonnes. Est-ce qu'il marche bien mon étal crêpe? Ouais. Ouais, trop bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est des galettes bretonnes? D'ailleurs, moi, j'ai eu l'idée de le faire. Vrai, j'ai dit, ah mais attends. C'est vrai. Ça, on peut pas le couper, faire un trou non, et on ça le met dedans. Non, c'est un mix d'idées. Non, ah, pas c'est vrai, toi, pas t'as, pris la, t'as pris la cuillère. Ouais. Et moi, j'ai pris... T'étais pas là hier au magasin, quand je me suis retrouvée toute seule avec Lucie dans le rayon. Elle m'a dit, tiens, viens, on coupe ce bout de cuillère. Et on l'insère dans un autre. J'ai dit, ah, c'est pas bête. Et après, et vous après, êtes échangé les pas. Idées dans, en chez Action. On a vu une peur, ça, ça c'était ça à Casino. Ça nous a coûté... 1,10€, c'était un truc comme ça. Ouais, 1,50€. Bah, les deux cuillères, elles étaient à 90 centimes, je crois. C'est 7€ ou 12€ le crampon sur on Amazon. On a vu au 15, ouais. C'est au moins 15 balles. C'est cher, hein. En plus, il est trop beau. Et là, ça nous est revenu à 1€, allez, à 1,50€ à tout casser, quoi. La pince à cornichon, tu l'as payé combien? C'est une œuvre d'art. J'ai payé l'un et l'autre 60 et 80 centimes, quoi, un truc comme ça. Ouais. Bon, en fait, moi, j'étais venue au calme, travailler toute seule. Et ben, en fait, tout le monde m'a suivie. Donc là, j'ai pour mission aujourd'hui de prendre un tube de colle PU, de monter à l'échelle. Faut bien que je bosse un peu sur le bus parce que là, je fais pas grand-chose. Hein.
Et je dois venir reboucher toutes les vis ici que Lucie donc elle a fait hier. Donc je vais avoir ma colle PU, ma petite spatule et il faut que je fasse toutes les vis, voilà, sur tout le bus. Si j'ai fini un peu avant, ça serait bien aussi que je peigne ce côté-là en noir, en blanc. Mais ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. Parce que si vous me connaissez bien, vous savez que Charlotte et la peinture, c'est pas trop mon fort. S'il faut le faire, je le ferai. Mais déjà, je pense que le fait de faire toutes les vis, de reboucher toutes les vis, ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Et voilà. Voilà ma petite mission d'aujourd'hui. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça convient? Bah, là, on ne voit plus aucune vis. Pour une passe, ouais. Là, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité avant tout. Vous voyez, là-bas, il y a des bulles, il faut que je les coupe au cutter pour les refaire. C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre les baguettes tout de suite ou encore la peinture. Franchement, il faut attendre parce qu'entre l'été et rien que l'automne, ça va bouger. Une fois que ça a trouvé sa place, là, tu peux commencer à encore reboucher tout ça et faire quelque chose de propre. Là, on va poncer un peu, quoi qu'il y a poncer, pas grand chose pas grand à poncer, ouais. Écoute, là, ça fait propre, reste plus qu'à faire l'autre côté. L'arrière, normalement, c'est bon. L'arrière, Lucie, elle a fait. Théo, lui, il est en train de nettoyer les fenêtres. Il a fait un côté. Il est en train de mettre ses mains dans mes trous de vis. Voilà, il enlève ces petits déchets-là. Là. Bah, ça, non. Qui s'enlève super bien. Oui, tout à fait. Ouais, regarde. Ouais, ouais, bah, tu vas le faire alors. Regarde. Ouais. Là, pour nettoyer, tu peux mettre, si tu veux, du white spirit. Mais tu m'as dit non tout à l'heure. Non, je t'ai dit non pour l'acétone, parce que ça attaque, mais du white, ça va... Mais faut gratter un peu avec ton bois, regarde, je l'ai fait à l'ongle, quand même. J'ai pas des ongles de 8 cm. Bah excuse-moi, j'ai fait mes ongles hier, donc t'as des ongles quand même. Hein. T'as des ongles, ils sont épais comme ça. C'est ça, quand on travaille, ça fait de la corde, regarde. Depuis tout à l'heure, je t'entends pester, regarde, alors que ça va bien. Voilà, regarde, tout simplement. Regarde. Mais vas-y un petit peu par un petit peu, oh là là. C'est clair, n'empêche que là c'est tout même... propre, les autres c'est tout nickel. Ouais, je vais aller faire voir celle de devant. Toi, et voyez les bandits, je trouve qu'en fait c'est harmonieux parce que là les fenêtres sont rondes, elles sont teintées quasiment pareil que celle-ci. Ça c'est rond, donc on retrouve cet aspect cabine et c'est plus flagrant de l'autre côté. On retrouve l'aspect rond ici et on retrouve l'aspect rond ici. Voilà, celle-là elle est faite, regardez ça, les joints comme ils sont beaux. L'acétone c'est pire que le white. Ah bah bien oui, il n'y a rien à voir. Vous voyez comme c'est beau. Et en fait on peut les monter je pense dans n'importe quel sens parce qu'ici ces petits caoutchoucs tu les enlèves et tu as les aérations. Et pas en haut. Ou alors faut les enlever partout, j'en sais rien mais je pense pas du coup. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de défauts là, vous voyez c'est ça je vous disais la colle, c'est dégueulasse. Et ici là. On se rend pas bien compte en vidéo, mais là, c'est plein de boursouflures. Bon, voilà, c'est une petite fenêtre à pas cher pour la cabine. Quoi. Vous voyez, là, il a pas gratté, Théo. Je le fais à l'ongle. Regardez comment ça part tout seul. Voilà. Bonsoir. Et là, ça fait une belle fenêtre sur le bois aussi. Ça, j'ai pas gratté. Sur le bois, j'ai mis un coup de white. Voilà. C'est propre, hein. Lucie, elle continue à régler toutes les vis. Ça se passe bien. Ouais. Okay. On va mettre ça sur le camping-car. Les petits volcans sont en train de faire du camping-car Barbie. Ça, c'était pas malin. Si on a le même toboggan sur un camping-car, tous ceux qui descendent, ils descendent qu'une fois, je pense. Alors ici, je suis venu mettre un renfort. Je me suis fabriqué des petites cales. J'ai été me découper des renforts, tout ça. Voilà, donc lui, il va être collé. Normalement, il tient. Ah non, vous voyez, ça va pas. J'arrive pas à le tenir appuyé, en fait. J'ai essayé de mettre une petite cale ici, je peux en mettre une deuxième. Et le renfort que ça fait, c'est juste impressionnant, faut attendre. Regardez, ça bouge plus. Ok, là on a retrouvé de la rigidité, mais on s'en fiche, il n'y aura rien.
Regardez la différence avec ça. Vous voyez ? Donc là, bah, ce qu'il faut, c'est que je mette encore un renfort ici. Voilà. Alors ici, c'est système un peu wall again pour l'instant. Les renforts comme ça, verticaux, c'est dingue ce que ça devient rigide. Donc bah là, j'ai trouvé que ça, j'ai essayé au début avec un, comment on dit, un été, là, c'est ça ? Avec des serre-joints inversés, mais ça marchait pas trop. J'ai carrément mis un été inversé, mais en bas, là, vous savez, pour pas trop forcer non plus sur mes plaques. Donc ça tient, ici j'ai fait ça, système un peu wall again aussi, mais regardez, ça colle partout, donc c'est ce qu'il faut. Et c'est dingue, la rigidité bah, qu'on obtient, quoi. Pourquoi j'ai mis près de la fenêtre et pas au mieux par exemple? C'est parce que ici, par exemple, je vais avoir un meuble et ça me sert à rien d'avoir de la rigidité à cet endroit-là. Je pourrais revenir très bien en mettre des petites intermédiaires, il n'y a pas de problème. Je veux que les cadres de mes fenêtres soient rigides. Donc grâce à ça, on obtient vraiment une belle rigidité. Je vais essayer de passer par en dessous pour vous montrer. Elle coule super bien. Au fur et à mesure qu'on fait les réglages, ben, il faut toujours les faire aller. Hein. On va voir si ça vient. Là, c'est fermé. Là. Ouvert. Hop, voilà. Les câbles. Bon, ça y est, je suis venue à bout de mes bouchages de trous. De mes trous de vis. On peut s'asseoir, là? Oui. Ok. Ouais, c'est du solide. Bon, là, Jérém, il est en train de faire le coffrage de la trappe de je sais plus quoi, de moteur, hein, voilà. Ma Charlotte, depuis le temps qu'on fait des bus. Bah, la trappe à moteur. Ouais. Ok. Et on a une mauvaise nouvelle, ou une petite mauvaise nouvelle. La Marina vient de nous appeler, carrément, elle nous a appelé. On a encore, bah là, c'est même plus comme la dernière fois, là, c'est carrément nos amarres qui sont coupées. Sur le bateau, presque. Sur le bateau, ouais, en Martinique. Donc, bah, dégoûté, on a appelé Jay et Nadège et tout, et en fait, bah, ils sont pas sur place. Ils sont où déjà? À Sainte-Anne. Ils sont à Sainte-Anne, si tu veux, c'est un peu plus loin, mais en annexe, c'est la galère, quoi. Ouais, c'est galère, sauf que là, en fait, il y a une tempête d'annoncer. Et là, comme par hasard, bah voilà, la Marina nous appelle. Vous avez des amarres de couper? On a dit, bah, c'est sympa, non. C'est sympa. Oui, c'est. Alors là, par contre, c'est ultra sympa. Mais là, ça nous met dans un stress total à chaque fois parce que sachant que on n'est pas sur place. On a les photos. Bah en fait, du coup, on pensait que tout était bien amarré. Et puis bah là, ils nous ont appelé sur WhatsApp, donc c'est super cool. Ils nous ont envoyé des photos parce que sur notre demande. T'as l'impression il y a plus d'amarres. T'as l'impression. C'est que ça. Coupées, et quoi. En fait. Il y a juste la grosse amarre qui reste et il y en avait genre à la base 4, je crois. Ouais. Bah ouais. Là, c'est une vraie amarre, tu sais, à 3 torons. Les autres, c'était des amarres qu'on avait faites avec des. Ou qu'il y avait déjà, mais qui étaient faites avec des drisses, quoi, tu vois. Peu importe, ça servait avec d'amarre. Des cordes de voile, bah ouais, mais c'est pas une amarre, voilà. Donc on se dit seule comme. Qui reste, comme par hasard, c'est la vraie amarre. Comme ce matin, ça, il y avait un fort vent, bah on se dit peut-être que bah, ça coupait avec l'encre. Ça a frotté sur l'encre, elle a enlevé, chouchou. Ah bah oui, c'est vrai. Bah ça a frotté sur quoi là? Bah en fait, j'ai pas fait ce que Gérard il m'a dit. Ah. C'est de ma faute. Ah. Quand tu mets sur un anneau, tu mets pas ta corde comme ça. Mm-hmm. Tu fais un tour. Je l'ai pas fait ça. Ça, je m'en souviens. Je suis honnête. Je le dis. Bah pourquoi tu serais pas honnête? Non, mais du coup, ça cisaille et ça coupe. Donc, on l'avait dit, Gérard. Donc, c'est hyper stressant. On a tout de même appelé Jay. Il a dit, bah écoute, moi, j'ai un contact à la marina, là, bah, au marin. Donc, bah là, on attend des nouvelles. C'est long. Parce que tu vois, genre, ça fait 10 minutes. Là, mais un vol et d'y aller direct. Mais c'est ça. Donc. Ça fait que 10 minutes, mais on a l'impression que c'est une éternité d'attendre. Mais ça va bien se passer. Là, c'est vraiment un fort vent. Donc, on se dit, bon... On a négligé la tâche du bateau, on a négligé les amarres du bateau avant de partir. Mmh. Moi, je te le dis direct. Hein. Là, voilà. Donc, non, on apprend, c'est comme ça. Heureusement qu'on arrive à avoir des contacts sur place. Merci beaucoup, surtout à Jay et Nadège qui sont toujours là, toujours présents pour nous aider. Ça sent le resto au mois de novembre, hein, ça c'est sûr. Ça sent les poulets boucanés c'est à tout sûr. Bas, moi, je te le dis. Ça aussi. Sent les pierras de... Les pirates à l'annexe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est chiant et on apprend même à distance parce que là, j'ai compris pourquoi on me disait fais attention à ci, fais attention à ça. Ça fait tellement d'informations, tu dis oh, c'est bon, ça va, on va pas chipoter. Non, non, t'as pas le droit à l'erreur en bateau. C'est ça, t'as pas le droit à l'erreur, mais c'est tellement d'informations, comme tu dis, pour nous là, je débutants. Comprends pourquoi on me disait ça. Voilà, donc là, de toute façon, bah, au mois de novembre, c'est clair que bah, après, c'est la belle saison là, qui arrive. Il va pas arriver grand-chose, je pense, cet hiver. Non, bah, moins, mais ça peut arriver. Mais moins. On va attendre un peu, mais là, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, ouais, c'est de prendre un billet d'avion et d'aller tout amarrer. T'imagines, il reste qu'une amarre, quoi.
Mais là, le monsieur, il est parti voir. C'est ça. Mais quand ça arrive et que t'es en métropole, ah, y a un petit bout de stress quand même là. Parce qu'on a négligé. Ouais, bah c'est sûr. Bah moi, je t'ai fait confiance en fait. Attends, mais moi je suis un débutant, plus que débutant aussi, il fallait pas me faire confiance. Bah, je t'ai fait confiance et là t'as chié. Non, c'est là où toi tu dois redoubler de vigilance en tant que femme. Voyons. Enfin bref, on vous donnera des nouvelles tout à l'heure si on en a avant la fin de la vidéo, avant la fin de la journée. Et voilà, c'est pour vous dire ça. Mais bon, aujourd'hui on a quand même pas mal avancé, je trouve. Ah là là, Charlotte. Non ? Ouais, on a bien avancé. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Un bébé. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il est tout doux. Ah ouais, monsieur Ragé, j'en avais un énorme poil. Ragé. T'étais ragé, ok. C'est un mélange entre rage et rase. Bon, allez, on continue, puis on vous donne. Je fais que de regarder le retour, tu vas encore crier. Tu regardes pas l'écran, Charlotte ? Non, c'est l'objectif. L'objectif. Oh là là, mais vraiment, hein ? C'est la fatigue. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ce petit côté-là se termine aussi. Donc, j'ai mis la colle là-bas. C'est un panneau qui est hyper léger. Donc juste avec la colle, ça tiendra bien. Ensuite, il va y avoir un tasseau que je vais usiner demain, enfin que je vais tailler, qui va être avec cette inclinaison-là. Et on remettra un petit panneau mousse sur le tasseau, qui sera à ce niveau-là, avec deux vis. On enlèvera les deux vis, il y a ce petit morceau de mousse qui partira. Là, on va lui mettre une petite poignée, ça partira aussi, on aura accès à la trappe moteur. Ensuite, là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que je vais la découper en deux parties. Et je vais faire des renforts. Parce que si jamais je dois accéder à la trappe boîte de vitesse, bah là, tu vois, c'est embêtant de tout enlever, quoi, c'est dommage. Alors que si c'est en plusieurs morceaux, ça peut être sympa aussi. Voilà, demain on collera ça, là, on va attendre que la colle elle prenne. Vous avez vu là-bas que les fenêtres c'était ok, c'est en train de prendre aussi. Donc bah, il n'y a plus rien à faire, tous les trous sont bouchés, on a fait pas mal de choses aujourd'hui au final, c'est vrai. Nous allons rentrer tranquillement et passer une soirée tranquille en famille. Voilà, on se retrouve ce matin dans le bus. On va enlever les étais, les serre-joints et voir si ça a fonctionné tout ça. Alors, c'est parti. Déjà un d'enlever. Voilà. On va enlever ceux-là. 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 Et on va voir si ça a tenu tout ça. Il va commencer à faire de plus en plus noir. De toute façon, plus on va approcher dans la saison... automne, hein, parce que mine de rien, dans peu de temps, vous savez. Hein. Mois de juillet, t'es content. Début août, t'es content. Et puis vers le 15-20 août, là, tu dis, voilà, c'est bientôt la rentrée. Puis bah, mine de rien, les jours commencent déjà à diminuer. Et sans s'en apercevoir, les bandits, il sera déjà Noël. Et moi, j'ai hâte parce que j'adore Noël. Mais juste avant, une fois que c'est passé, j'aime plus. Bah, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de personnes. Donc, ces chevrons sont collés. Oh là là. On a obtenu une résistance de dingue. Vous voyez, la fenêtre, elle tient super bien, rien à dire, c'est bon. C'est ok, elle fonctionne, elle ne force pas. On va enlever ces petites cales que je vais garder, qui me serviront pour les autres fenêtres. Voilà. Et là, pareil, on va regarder si c'est bien collé. Écoutez, c'est vraiment pas mal tout ça. On a vraiment obtenu de la résistance, c'est dingue. Un chevron comme ça, collé, là c'est du 45 mm, et je l'ai fait aussi au ras. Nous sommes avec Thomas le vacancier, qui pendant ses vacances, va monter un bureau assis debout pour Gaël. Vous voyez que déjà, ils étaient dans l'air du temps, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, les petites chaises, tout ça, pour faire travailler le dos, c'est ça qu'on dit ? Ouais, je sais pas, en fait, elle a toujours eu... Enfin, elle a ça depuis des années, je crois que c'est... Ouais, c'est... C'est assez confortable, ouais. Un petit peu, mais pas trop quand ça même. Ça permet d'avoir le dos droit, enfin ouais. Voilà, ils sont déjà dans une optique de confort au travail et de bien-être pour les employés. Absolument. Et ça, c'est et chouette, quand on Thomas. Est arrivé ici, il y a 4-5 ans, dans ces bureaux-là, j'avais dit, je ferai des bureaux assis debout. Sauf que la précipitation, la pression, machin, bon, c'est le ce bureau, que c'est. Il a été surtout assis et pas debout. Donc on va faire un petit avant-après. Ouais. Voilà ce que ça donne avant.
Donc c'est un bureau d'angle. Et là, la difficulté avec... Acheté chez Ikea. Ouais, c'est ça, ouais. Chez Ikea Thomas. La difficulté, ça va être de faire monter toute la partie centrale, l'angle en fait. Voilà. Donc, vous allez couper ici, c'est ça? Ouais, je vais couper au droit de ce caisson et au droit de celui-ci. Ok. Et je vais m'écarter du mur. Parce qu'évidemment, il faut qu'on puisse le faire sans gêner quand la fenêtre est à l'oscillo battant comme ça. Voilà. Et donc, surtout, la quincaillerie de tout ça et le moteur, c'est un Flexispot. Voilà, il a pris ça chez Flexispot. Donc, on va voir si ça fonctionne et, et on va voir comment ça fonctionne. Bah, je suis assez confiant. Hein, Moi aussi. C'est pas une grosse, grosse difficulté. Il y a plusieurs petites choses à voir. Et puis nous, comme on a fait des trois petites fantaisies au niveau des champs du plateau, il va falloir évidemment le refaire après la coupe, puisque ces coupes-là, elles vont se voir après. Lui, tu vas le retravailler un peu, le revernir, tout ça. Oui, du coup, comme on le démonte, je vais en profiter, effectivement. Pour lui refaire une petite beauté, carrément. Ok. Carrément. Le panneau est monté, on vous le montrera tout à l'heure. Truc en bois, ça flash, on a une photo, ça pète. Deux jours de vacances, premier chantier, premier objectif atteint. Donc, troisième jour de vacances, alors ça va pas être fini ce soir, ça, quand même. Non, c'est sûr. Ok, affaire à suivre, et vous avez la vidéo qui est arrivée hier du bureau assis debout, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la revisionner, ou la visionner si vous ne l'avez pas vue. Celle-ci, ça va être une formule un peu différente. Ouais, c'est vrai, parce que tu as trois pieds. Ils sont tous moteurs ou pas? Oui. Déjà, il y a trois pieds. Mais c'est surtout si on est dans de la réhabilitation, là. On n'est pas sur un bureau, oui, on met juste un plateau ça. Là, il faut intégrer ça dans un espace assez limité. Et il va certainement falloir bloquer les pieds au sol pour pas qu'il y ait, que ça pour bouge pas jamais. Pour pas que ça bouge, je vois ce que tu veux dire. Bon, il y a certainement des petites adaptations, mais moi je suis très confiant et de toute façon, comme pour tous les problèmes... Rien n'est impossible. Comme pour tous les problèmes, Jérém. Il y a toujours une solution. Absolument. Exactement. Allez, nous on va chercher les disques à poncer parce qu'on a du boulot là aujourd'hui. Et on te dit à tout à l'heure, Thomas. Bon ça fait C'est quoi ça? Ça fait deux. Ah, je voulais pas. Ah je l'ai vu. C'est pour qui? C'était trop stylé, je sais pas, Lucie ou moi, peu importe. C'est de la merde. Tiens. J'avoue. Ça fait plus d'un mois que je les ai commandés. Et t'as vu comment on le reçoit? Voilà. Non. Gros. Il y a des trucs qui manquent. J'en ai aucune idée, mais j'avais fait ça. Ah, des t-shirts comme je voulais. Dis donc, t'as pas fait semblant. Allez, on va essayer ça. Regarde. Allez, celui-là, il est niqué. Ah, oh, ils ont mis un coup de cutter dedans, les enfoirés. Voilà. Regarde, gros coup de cutter. Faut prendre en photo. Voilà. Pourquoi ils font génial. En plus, c'était le plus beau lui, je crois. C'est vrai. Tu vois, à quoi ressemble. Non, tu peux pas trop faire voir. Ouais, c'est un trompe-l'œil. C'est quoi, ça fait plus d'un mois que j'attends et ça me saoule. Grave, non, mais sérieux, ils abusent. Hein. T'aimes bien la matière et tout, enfin tu t'aimes toujours et tout. C'est une tête de mort lui? Ouais. C'est long. Attends, il est mieux ou il est moins bien? On dirait qu'il est plus petit, non? Oh, le dessin il est beau. La taille ça va? Non, je vois là, il y a bien. J'ai failli en commander mais j'ai pas pris le temps de les faire. On dirait qu'il est petit lui? Ouais. Non, c'est vraiment bien. Vous voulez des clairs en plus? Non, ne le montre pas si. Il fait une petite coupée. Ouais. Ah, oh, ça c'est vraiment les bouts là. Il est doublé, lui. Il y en a combien, là? Et il est stylé, par contre. Ça me va. Ouais, il est beau aussi. Oh, il est grave beau. Et c'est lui qui est craqué. Là, on dirait qu'ils ont fait exprès de craquer le plus beau. Ah ouais, ici, là. Ouais, c'est mort, faut le remballer, lui. Jérém, il est en train, comme on vous a dit tout à l'heure, il est en train de faire de créer les tasseaux avec toutes les chutes de bois. Et Théo, au multifonction, il a enlevé tout la colle qui est restée. Donc là, c'est bien plat. Il y avait une petite surépaisseur. Je sais pas si on peut... s'il n'y a pas une chute que je vous montre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça faisait une surépaisseur. Il y a bien... je sais pas si on voit là. Il y a bien 2 mm. Hein.
On a acheté une petite lampe, un petit bandeau LED action pour les travaux. Donc bah ça fonctionnait bien et là on a débranché, rebranché la prise. Et là ça fait un peu boîte de nuit. C'est très chiant. La télécommande ne fonctionne pas, c'est vraiment du dépannage. On voulait avoir un truc qui ne prend pas de place et qui permette de nous éclairer, quoi. Bah là ça va quand c'est en blanc, mais ça fait que ça depuis tout à l'heure, ça me saoule. Alors donc ici nous avons enfin mis notre petite technique au point qui était un peu chiante au début. Alors donc ce tasseau que Lucie a raboté magnifiquement bien en 2 cm d'épaisseur, on vient, on met des petits trous avec des vis. Charlotte d'ailleurs à ce titre est partie chercher des vis. Oui. Et des forêts. Et des forêts aussi pour percer parce que ben on sait que forcément qu'on va en casser. Et là vous allez avoir la pose qui va être magnifiquement bien montrée par Théo et Lucie. Voilà. Yeah. C'est parti. Donc on n'est pas du tout organisé. On n'est pas du tout. Alors, il faudrait être. Moi, je peux te le tenir ici si tu veux. Et quelqu'un qui se prépare à. Viens, on fait genre qu'on est organisé. Attention de ne pas le coller là-bas, hein, petit gars. Bon, on fait comme on a dit. Hop, voilà, hop, il est collé lui. Vas-y, il va faut trouver le trou. Là où il y a papa. Même là, là, ça va aussi. Ouais, n'importe laquelle, en fait, ça va nous recentrer. Ah, mais ça va aller. Là, celle-là. Je pense qu'on doit être ici. Là. Hop, voilà, ici. Attention que là. Attends, il y a là des vis là-bas. Ah, ils les ont pas laissés dessus. Théo aime bien enlever les vis entièrement. Bah ouais. Alors que tu les aurais laissés dessus, ça aurait fonctionné. Pull. Oui, ça rime tout à fait. Just tire. Voilà, et ensuite, ils peuvent tranquillement venir installer le reste des vis. Tout est déjà troué. Donc ils ont ça à faire. Ensuite, on a là-haut. Moi, je vais continuer de poncer parce que Charlotte, elle aime pas du tout, c'est pas son truc. Donc, bah, ok, pas de problème. Moi, je vais poncer et je vais peindre aussi. Elle aime pas la peinture ni le ponçage, Charlotte. Donc, bah, je vais faire tout ça, que le haut pour l'instant. Et donc, vous faites ça en attendant que maman revienne avec les vis et les forêts. Faut bien que le tasseau soit collé. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous prépare un petit truc, les bandits. Avec MyShop, on va vous faire faire des économies. On vous expliquera ça bientôt, mais je pense que ça va vous plaire. C'est pas pour le bus. Non. C'est pour la maison, que vous soyez locataire ou propriétaire d'ailleurs. Ça, c'est chouette. L'important est de faire des économies. Ça veut dire que... Je dois prendre le camion Ben, or qu'il était... Il est quelle heure? Il est 5h... allez, 6h moins 25. C'est bon là. Il est 6h moins 25 et je dois faire un aller-retour à la maison pour dépoter la palette avec Théo. Un petit peu à droite. Et j'avais pas envie. Je voulais rentrer, chouchou, parce que je suis pas bien aujourd'hui. Bon, il commence à se faire tard et ils sont tous repartis à la maison. Moi, je vais y aller. Je me suis un peu pris la tête avec mes tests là. Je voulais faire un petit test au pistolet. Et j'ai pas trouvé les bons raccords avec Thomas. On a été incapable de trouver les bons raccords. Moi j'ai les gros trucs. Et en fait là,
Thomas, c'est les plus petits qu'il a. Donc bref. J'ai fait deux tests, je ne sais pas si on va se rendre compte. Là, c'est avec un rouleau en microfibre. Vous voyez ? Ok ? Voilà. Pour vous rendre compte du côté granuleux en fait. C'est pas évident en vidéo. Et là, j'ai fait avec un rouleau plus gros qui va mieux. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu plus granuleux. Quoique, on dirait que ça fait moins granuleux en vidéo. Parce que la peinture, elle finit par s'étaler. Vous voyez ? Je me dis, si j'arrive à faire ça au rouleau, je suis capable de repeindre le bus au rouleau. C'est peut-être dégueulasse, je sais pas. Après, de là, tout repeindre au rouleau, ouais, quand même. Je sais pas, écoutez. En tout cas, j'ai déjà fait une couche là-bas. Il y aura deux autres couches qui vont être mises, et au moins, ça, c'est en attente. Moi, même s'il faut rouler comme ça dans 6 mois, moi, j'en ai rien à faire. La peinture, pour moi, c'est le truc à faire en dernier, parce que d'autres choses à payer, quoi. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes petits tests de joint de l'autre côté, et puis je me rentre, on se retrouve à la maison tout à l'heure. Voilà, c'est bon, je suis rentré, et apparemment, il y a une surprise. Et attends, j'aime bien dire l'heure, tu rentres, il est 19h35. 19h35, ce matin je suis parti à 5h45. Ah oh bah oui, toujours plus. Et oh là, non, laisse les feuilles. Mais les fleurs et tout, lui, il tripote dans tous les sens. Mais c'est pas possible. Mais ça va pas ou quoi ? Tu vas le faire mourir. Mais non, mais il faut les retourner, hein. Putain. Regardez, nous avons un petit melon. Il y en a plein d'autres là qui poussent. Oui, il y en a plein, regarde. Faut arrêter d'y toucher, les enfants. Regarde, celui-là, il est tout. Faut aller les arroser. Il y en a plein. Eh, mais ils ont tout enlevé, là, regarde, ça se voit que c'était pas comme ça. Ouais, j'ai désherbé autour, là. Il faut pas trop désherber parce que les melons ils poussent en rampant. Non, faut les laisser ramper. Les trucs et tout, faut les dégager. Non, mais tu les coupes, regarde chouchou, ça, c'était accroché. Il faut les laisser accrocher. Oui, bah regarde, j'enlève aussi toutes les feuilles. Regarde, mortes, voilà. Il s'en sert pour ramper. Oh là là, ça va faire du melon, ça va faire du melon. Une deuxième grossette. Ça va, Bandy. Ça va, mon doudou. Ouais. Ah, il a fait des bêtises. Ouais. Il a fait quoi? T'as creusé dans le pot de tomates. Il a creusé. Il a creusé dans les tomates pour se faire un trou. Mais je pense que c'était parce qu'il cherchait de la fraîcheur. Bah bon. Donc je l'ai pas trop engueulé parce que Théo il l'a pris en photo. Il est bien emmitouflé dans le trou. Comme alors, ça. Il est comme ça dans le trou. Alors, t'as creusé dans le pot de tomates pour te faire un nid. Je l'ai engueulé mais pas trop parce que je me suis dit parce qu'il a fait lourd quand même aujourd'hui. Hein. Il a mis sur le derrière, t'as vu ? Arrête de l'embêter, c'est la vieille allumette, elle est pas d'humeur. Elle est jamais d'humeur, allumette. Doucement. Faut lui dire doucement parce qu'il y a tendance à être un peu brut avec les enfants. Alors c'est quoi ce truc merveilleux que nous avons reçu ? Il y en a qu'un ? Deux. Non, il y en a deux. Il y en a deux ! Comme ça ! 425 watts. Ouah, ce truc de dingue ! Est-ce que c'est des écharpes ? Oui. On va avoir les mêmes sur le bus ? C'est les mêmes. Ils sont pas trop longs mais ils sont larges. Vous trouvez ça bien parce qu'on va avoir de l'espace pour passer autour du bus. Mais on va mettre ça où ? Dans le jardin, regarde. Alors il n'y a pas beaucoup de câbles. Faut faire attention à Bobby. C'est bon Théo ? On va se débrouiller, on va trouver de la place. Attends, donc là t'as qu'un châssis, tu vas monter le deuxième. Oui exact. C'est ça ? Alors bien entendu on vous expliquera tout ça bientôt les bandits. Même si c'est My Shop et qu'on a confiance en eux et qu'on les connaît bien depuis 7 ans, 6 ans bientôt. Eh ben, il faut qu'on teste quand même. Il faut qu'on apprenne à s'en servir, il faut qu'on voit comment ça fonctionne. Regarde, t'en as du câble, tu te racontes toi ? Bah, il n'y en a pas tant que ça. Bah, c'est pas grave, t'en remets une de rallonge. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Tu racontes toi. Alors l'idée c'est quoi ? C'est tout simplement de vous faire économiser du courant. Vous allez dire, mais comment tu veux faire une install solaire et tout ? Mais moi c'est ce que j'ai demandé à MyShop, à kitsolaire.fr, c'est ça ? Oui. MyShop a fait un site internet consacré entièrement maison, c'est kitsolaire.fr. Bref. L'idée c'est quoi ? C'est d'avoir des panneaux solaires avec une petite centrale, tout intégré, c'est plug and play, ça veut dire prêt à brancher. Je crois que ça veut dire ça.
Vous avez juste à installer tout ça dans votre jardin. Vous branchez votre prise dessus et vous branchez ça dans la prise d'une maison, si j'ai bien tout compris. Je vais dire, bah c'est quoi ce truc de dingue? Eh bah, ça renvoie de l'énergie directement dans votre circuit de maison. C'est-à-dire que si vous avez un kit comme là qui va être de plus de 800 watts, 850 watts, c'est-à-dire que si dans votre maison, vous utilisez, admettons, 400 watts par heure, c'est-à-dire il y a les lumières des télés, il y a la télé qui est allumée toute la journée, la radio, diverses choses qui consomment, tu fais un lave-vaisselle, ton frigo qui se met en route, une machine à laver, tout ça, et bien lui, en fait, il va te donner l'énergie dans ton réseau gratuitement. Ce que tu as besoin d'EDF, tu le prends, mais lui, il va te donner le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça, au bout de l'année, ben, ça, je peux dire que ça fait des économies. Parce que là, on est à hauteur de 800 watts. Alors, de mémoire, tu peux pas dépasser 800 watts, je crois, c'est niveau des normes et tout. Puis après, tu peux pas trop dépasser de watts aussi à renvoyer dans ton réseau, tu sais. Donc, c'est pas une installation qui va ne plus vous faire payer l'électricité. Mais si vous gérez bien votre truc, ça peut vous faire faire de sacrées économies. Alors, j'ai encore beaucoup de questions en suspens, moi. Si, admettons, tu mets ce kit-là, est-ce que, par exemple, tu peux allumer ton chauffe-eau la journée ou tu dois le laisser en heure creuse? Est-ce que c'est toujours valable d'avoir un compteur heure creuse, heure pleine? Ça, je sais pas. Vous voyez, il y a des questions en suspens. Et j'avais une autre question qui m'est venue tout à l'heure sur le scooter en rentrant. Voilà, j'ai pas mal de petites questions que j'ai pas de réponse. Je vais demander à ma shop. On va apprendre à le faire fonctionner. Et j'ai envie de dire, c'est cool. Parce que ceux qui ont le Linky, tout ça, là, vous allez pouvoir voir en temps réel. Oh la vache! Au lieu de consommer 1200 watts, ben, je consomme que 400. Ben là, vous allez être content. Et de mémoire, il faudrait 2 ans pour le rentabiliser. D'accord. Au bout de 2 ans, tu gagnes de l'argent. C'est cool. Là, je peux vous dire que c'est plus un achat. C'est un investissement. Voilà. Et parce que ça va vous faire gagner de l'argent. C'est pas non plus, on a regardé avec Théo le kit qu'on a avec les deux panneaux solaires. On peut parler du prix, parce qu'on va l'avoir. Ouais. Les câbles plus les... Bah, c'est le kit complet. Hein. C'est environ 800 euros. Là, on est sur 800 euros. Moi, je sais pas du tout. Hein. C'est si tu pas le dis, ok. Mais moi, combien on a vu 800 je sais pas du tout. On va pas trop détailler tout aujourd'hui. Théo, il est en train de monter. On va tester. Vous allez voir. Et puis, dans un petit 2 semaines, 3 semaines, le temps de bien voir comment ça fonctionne. Pareil, on vous fera une petite vidéo explicative sur tout ça. Donc, restez surtout connectés. Vous savez très bien qu'avec ma shop, on va avoir code promo, ceci, cela, tout ce qu'il faut. Et c'est ça que vous voyez dans les magasins, que ça commence à pousser comme des champignons de partout. Tu vas Leclerc, tu vas Ruau, tu vas partout. Tu as plein de petits kits comme ça, tu les vois à l'entrée des magasins. Sauf que là, on est sur du kit top, top qualité, quoi. Ça, c'est là, les panneaux, ça, tu les as, je pense, au moins 25 ans, 30 ans. Je sais pas, mais je suis sûr qu'ils sont garantis en production au moins 20 ans, si c'est pas 25. Donc, c'est pas quelque chose qui va pas durer longtemps. Là, on est sur là, on est sur du matos qui va durer, quoi. Voilà. Moi, je vais faire mon montage, je vous laisse. C'est comment? C'est fichu comment, tout ça? Alors, ça. Ah, c'est ça, la centrale qui gère tout. Ça, c'est un mini inverter. Excellent. Et t'as un deuxième châssis comme ça? Ouais. Il est là, tu as le carton long. Ah ok, ça c'est un châssis pour un panneau. Exact. Est-ce qu'on peut les incliner? Non, c'est... Oui, tu peux. Attends, ah ouais, faut que je desserre ça. Non, non, mais j'ai compris en fait, ça tu le desserres et puis tu peux le monter et tout. Excellent, c'est bien fait ça. Et ça tient sur des vis. Ah, parce que tu peux le mettre sur ton toit si tu veux, c'est ça? Ok, parfait, ça, ça se lève et ça descend. Voilà. Et les vis, là, nous, on va pas laisser ça. Parce que, du coup, nous, on va le poser par terre, en fait. Pas se prendre la tête. Après, l'idéal, ça serait peut-être de le poser sur une des planches de bois pour pas qu'il pourrisse avec l'herbe. Même si, théoriquement, vu que c'est de l'aluminium, ça se voit, c'est de l'aluminium, ça risque rien. C'est ultra léger. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est bien ça. Alors, je sais pas. Théoriquement, vous avez aussi, je crois, une petite déclaration à faire en mairie ou je sais pas quoi, ou sur internet. Je vois pas pourquoi. J'ai l'impression que ça les embête qu'on fasse des économies. Hein ? Je me suis toujours posé la question, moi, là, c'est de vous à moi. Est-ce qu'on peut pas rendre toutes les maisons, maisons déjà ? Quasiment autonomes grâce à des panneaux solaires. Regardez, là, on a une maison qui... Ça, c'est la maison location qu'on a, mais eux, en fait, ça a été un contrat et ils revendent. Ils revendent leur électricité. Est-ce que sur chaque maison, on n'aurait pas pu mettre déjà depuis longtemps, très longtemps, automatiquement des panneaux solaires ? Si toutes les maisons étaient équipées de panneaux solaires, est-ce qu'on aurait toujours besoin autant de centrales nucléaires, par exemple? Vous voyez, c'est un vaste sujet, tout ça. Ou est-ce que ça les intéresse pas, en fait? Ou est-ce que ça commence à venir? Voilà, peut-être ça en train de venir aussi, tout ça. Parce que je crois qu'on est limité aussi en nombre de watts pour des maisons individuelles. Enfin, je sais pas, tout ça. Mais moi, je reste persuadé qu'on peut rendre des maisons entièrement autonomes en électricité. Hein. Les bandits, ils sont pas contents. Ah bon, pourquoi? Parce que tu fais plus ton bisou de la fin, tout ça, le soir. Ah oui, j'ai vu ça, oui.
Ben, oh. C'est pas moi, hein, c'est Jérémy ouais, encore avec ses tests. Hein. J'ai voulu faire des tests, tu vois, c'est Monsieur Test. Devrait, si un jour je refais une chaîne YouTube, j'appellerai Monsieur Test. La chaîne des tests. Voilà, j'ai voulu faire des tests et au final. Vous aimez pas du tout. Vous aimez pas, mais en même temps, je vous comprends tout à fait. Qui ne pourrait pas. Se passer des bisous de Charlotte. Voilà, des bisous, son charme, son petit au revoir, ses petits cœurs qu'elle fait avec les mains. Voilà, donc on va recontinuer plus. C'était un test, donc on va recontinuer comme avant. C'est vrai qu'au niveau watch time, c'est mieux. Mais ça fait bizarre de couper comme ça aussi rapide. J'ai envie de dire, c'est comme si tu regardes Plus belle la vie, ils te disent pas au revoir. Ils coupent et tu reprends le lendemain. C'est ça. Mais nous, on n'est pas Plus belle la vie. On est les vadrouilleurs. Même moi, j'aimais pas du tout. Voilà. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo dimanche. Oui, dimanche, c'est ça. On vous fait plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Et les 2-3 autres que t'as pas fait? Je vous donne du rab. Allez, à bientôt, bye bye. Bye.